عدنا إليكم من جديد. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم ضمن فعاليات نسخة السادسة للأيام الصيدلانية بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء في يومها الثاني. معنا اليوم ضيفة خاصة أخذت على عاتقها مهمة صعبة، ألا وهي إيصال المعلومات والنصائح الطبية إلى أكبر عدد ممكن من الناس عبر طرق إبداعية، فتستحق منا أسمع عبارات التقدير والامتنان. رحبوا معي بدكتورة الصيدلة وأخصائية التغذية وفاعلة وناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الدكتورة ياسمين حمراني. Je pense, oui. Alors bonsoir, ça fait vraiment plaisir. Pour moi aujourd'hui, Annie, c'est pas une conférence, c'est plutôt un échange entre confrères. Vous êtes des étudiants de pharmacie, donc bientôt vous allez être des docteurs. Et aujourd'hui, c'est plus un partage d'expérience. Mais aujourd'hui, c'est pour essayer de vous donner une vision un peu différente de ce qu'on a quand on est étudiant. Donc, je vous dis que c'est spécial parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui m'ont écrit. Et ça fait spécialement plaisir. C'est différent qu'une personne. Voilà, j'espère te voir à la conférence et j'ai vraiment envie d'assister. Pourquoi choisir le sujet? Pourquoi pharmacie influenceur? La première des choses, c'est un terme que je déteste. Donc, un pharmacie influenceuse, je n'aime pas parce que c'est vrai qu'on a une certaine influence, les gens. Mais malheureusement, tout le monde est influenceur. Les gens qui ont fait des trucs, qui sont influenceurs, qui ont posté des trucs, et là des gens. Et malheureusement, dernièrement, on a fait le domaine qui est le domaine. Donc une personne qui n'a rien à voir avec le domaine médical n'a pas le droit de donner des conseils de santé, et on va voir pourquoi. La première des choses, si j'arrive à passer ça, voilà. C'est pourquoi on doit être présent sur les réseaux sociaux et pourquoi il y a la responsabilité d'y aller. Parce qu'en fin de compte, on peut se dire bon, on a la responsabilité d'y aller, la pharmacie quand j'aurai ma pharmacie, ou bien là où les qu'on fait ou quoi que ce soit. Mais pourtant, c'est notre responsabilité parce que vu la nature de notre métier, être présent sur les réseaux sociaux est devenu un devoir. Donc ce n'est plus le truc le plus important, c'est le conseil. Et le conseil, c'est tous les jours. Vous êtes pharmacien, tous les jours. Vous êtes pharmacien, tout le temps. Mais chez Rémi, qu'est-ce qu'on la pharmacie? Donc forcément, et quelqu'un va venir vous demander sur un médicament, vous allez répondre. Parce que est-ce qu'on a fait des choses et ça va faire partie de vous. Donc, donnez la bonne information. On de partout en tant que docteur. Alors, actuellement, il y a déjà un chauffon au niveau des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, et même les messages liquides au niveau de WhatsApp. On sait que, par exemple, pendant le corona, on a quand même pris le WhatsApp. Donc, on recevait 90 000 messages. Le problème des Pitras, c'est que les réseaux sociaux, c'est accessible à tout le monde. Si il y a des gens qui sont branchés. Et il y a des pseudo-docteurs qui poussent comme des champignons. Donc, tout ce qui fait, 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 la crème, tout ce qui fait, ou tout ce qui fait, d'autres choses. Donc, comme il y a des gens qui sont en train de se faire, pour avoir des examens donc imaginez le titre de docteur le rôle au niveau des réseaux sociaux. Alors finalement c'est notre responsabilité de changer ça. Elle est parce que Roma ils ont gagné une chose que le pharmacien et les médecins en général
خلاو واحد الفارق وهو ان خلاو من داك لي ريزو سوسيو ومبنو في حالي لك نحاول نجاوب باش نلحقو تما سوني با طاف باسكو بابكي كاين بزاف ما يقدر مي il faut réagir il faut absolument commencer à être plus présent vous êtes encore dans deuxième troisième année باقي لكم لو شونا طويل مي il y a deux choses la pharmacie soit tu as la vocation soit tu l'as pas soit tu la développes كاين لكم اللي اختارتو تعملو فارماسي بغيتو تعملو فارماسي باسكو vous cherchez ça كاين اللي سا ايتي امبوزي par vos parents انا وحده Et finalement, ce qu'il faut faire, c'est chercher une vocation. Moi, quand je faisais les études, ce n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Moi, j'étais vraiment vers autre chose. En domaine santé, j'étais beaucoup plus vers la médecine. Mais bon, j'avais 17 ans quand j'ai commencé pharmacie. Et ce n'est pas la même personnalité de maintenant. Ce n'était pas la possibilité de dire non comme je peux dire maintenant. Sur place, je faisais des études de Makanouch HVN. Actuellement, je me dis, c'est le meilleur choix que j'ai fait. Parce que si j'avais fait médecine, aujourd'hui, je ne pourrais pas être avec vous. Quand on m'appelle pour donner une formation, quand on m'appelle pour enregistrer un programme télévision, radio, je n'aurais pas pu gérer mon temps. Là, actuellement, j'ai deux pharmaciens qui sont chez moi à la pharmacie, ce qui me permet d'être ici. Donc, il faut savoir que quand on parle pharmacie, on a l'idée que c'est le comptoir, ou bien l'hôpital, ou bien le labo. Non. La pharmacie a énormément de sorties. Ne soyez pas une zone où vous ne retrouvez pas. Cherchez là où vous allez vous retrouver à l'aise. Et alors, un influenceur qui n'est pas docteur, il ne peut pas savoir des choses qui sont forcément soit affaires, soit en fonction de ce que vous avez comme à dire dans pas longtemps. La première des choses, c'est l'hydroquinone. L'hydroquinone, c'est ce qu'on a de avec une personne, on va prendre l'exemple des parapharmacies, chez elle, il y a un croissant. Mais je vous parapharmacie. Il a un stock d'hydroquinone, des produits qui ont de l'hydroquinone. J'ai trouvé SIDA, c'est un traitement anti-tache, et il est parce que finalement, c'est un bon produit. Mais même que vous dit c'est un produit tératogène. Parce que maquillage de l'attention, vous l'avez quand même une crème fougie, il y a une absorption au niveau de la peau, et nous pouvons aider avec le fœtus. Ça, c'est le genre de choses que nous avons pour le diplôme de l'ERCOM, est-ce qu'on a fait Et c'est pour ça que vous êtes en train d'étudier. Tenez, je suis en train d'étudier, je suis le jour à jour. Mais ça va vous former. Je n'ai pas dit que vous avez fait le diplôme de l'ERCOM, vous allez savoir ce que vous avez fait ou ce que vous avez fait. Donc c'est une préparation. Ce n'est pas ce que vous avez fait, ce que vous avez fait, ce que vous avez fait. Non. Vous êtes en train de vous former en tant que pharmacien, mais surtout vous êtes en train de vous former en tant que personne. Par rapport à la toux, et on va voir un exemple tout à l'heure, il y a une toux qui est grasse, qui charge. Il a travers son charge. Mais je vais vous conseiller un sirop qui est anti-toxique. C'est un moyen de défense du corps, parce qu'il qui sort ce qui est à l'intérieur. Il n'y a pas de sol, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de Donc au lieu d'un autre, il y a une zide, il y a une Au lieu d'un autre, une petite toule, peut-être avec un expectorant, avec l'acétylcystéine, ça va être très très bien au bout d'une semaine, je vais créer une infection plus grave parce que je ne l'aide pas à sortir. Donc, je trouve qu'il fasse un truc aussi simple qu'un sirop pour la toux, il peut aller à la sahadia d'une personne. Et on va passer aux corticoïdes, les qui ont régulé les messages. Alors, les corticoïdes, je ne sais pas si je suis en force. Au moins, pour Mme Sfra, qui s'en fout le chien. Première des choses, les gens qui ont régulé les messages, premièrement, je suis en force, comme nous ferons, parce qu'il y a une retention d'eau. Donc, la première des choses. Deuxième, on regarde quand on fait, je suis en force. En parallèle, il y a un risque. De développer un diabète, un risque de développer de l'arthrose, toute une liste. Et les gens sont focalisés parce que Flana Fertelena Fatifleur sur TikTok, quand l'on me lit d'artiste sur les corticoïdes, elle dit que c'est un peu plus de temps, elle dit que c'est un peu plus de temps. Donc elle a un peu de corticoïdes. Et on a l'impression que les effets secondaires n'arrivent qu'aux autres. Donc le problème, c'est que le corps est très rancunier. Oui, mais on paye les pots cassés. Mais quand on se réagit, on se dit non, parce qu'il se passe maintenant tôt ou tard. Et les corticoïdes aussi sont très utilisés comme anti-tache. Et là, parce que dès qu'on aime comme la tâche, là, j'ai acheté une crêpe qui coûte 300 dirhams, moi, j'ai acheté un corticoïde qui coûte 10 dirhams. La différence de prix, elle est quand même énorme. Mais un corticoïde, même si on a isolé la tâche,
au bout de peu de temps, il a fait le jeu de l'année, et il a fait des tâches français, que par la suite, il a fait le jeu de l'hydrotrine ou de l'hydrotrine. Donc c'est le genre de conseil que vous devez passer. Parfois, en étant étudiant ou en étant pharmacien, on a l'impression que quelques informations sont connues. C'est évident. C'est évident pour vous, parce que vous êtes formé. Ce n'est pas évident, même pour un avocat, pour quelqu'un qui est ingénieur, ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait des études, c'est parce qu'il n'a pas fait les études d'avocat. Donc imaginez-vous, pour l'équivalent de l'hydrotrine. Donc parfois, une toute petite information de votre part va aider une personne à garder sa santé en bon état. Petit exemple, alors, il y a un problème de micro. C'est une vidéo qui a bien traîné sur les réseaux sociaux. Il y a un sirop qui conseille un sirop. C'est bon? Alors, là, on a une personne qui conseille un sirop à 16 dirhams pour les enfants et pour les adultes, qui est très efficace. C'est vrai, Toplexil, il est très bien. Mais Toplexil, comme je vous ai dit, montage dans tel Aïwahed. Toplexil, il tape le tour, chauffe les effets secondaires, il y en a énormément. C'est un très bon médicament, comme n'importe quel médicament, mais qui s'attend le diagnostic d'elle. Il a peut-être une chose. Après, le paracétamol, qui paraît rien du tout, je ne peux pas me prendre à tort et à travers parce qu'il y a une hépatotoxicité. Donc, il n'y a pas un seul médicament sans effet secondaire. Ça n'existe pas. Donc, la deuxième des choses, conseiller un médicament, c'est une responsabilité. La photo de l'hépatotoxicité, c'est le Vidal à la marocaine. Si il a un compte TikTok avec des petits messages, un chiffre détaillé, le prix, un avantage des prix à quelques médicaments, et qu'il peut le contrôle pour faire le diagnostic grâce. Donc, elle a une personne par exemple qui est diabétique ou a trop de mal à chauffer un de la coprède ou à tardo, la rata a 5 grammes de glycémie. Ou il y a un autre sucre, mais il y a un autre. C'est le médicament qu'elle a pris. Donc, le fait de prendre un médicament comme quelque chose de léger, c'est fait il a un décoiffé de cortas vite ou en n'importe quel moment tu as trop de cortas à chercher ou tu as regardé trop de cortas. Donc la première des choses de dire c'est un mauvais hein le domaine d'Yenna, c'est d'amer, c'est être conscient que fitness là que il peut en avoir non mais en même temps il peut en avoir. Alors ce qu'il faut faire en étant étudiant, la première des choses c'est vous former en tant que professionnel. Ma t'as photo juste parce que c'est une jambe d'Yenna. Parce que j'ai un examen, comme je vous 90 000 façons, je suis un examen, je suis un examen, je suis un examen. Ça ne sert absolument à rien. Et je vous le dis parce que j'ai vu des pharmaciens qui me chauffent, là, ils me disent, je suis un examen, j'ai eu le diplôme, où je peux vous assurer que le paracétamol peut être un folie, je suis là parce que je suis un docteur. Donc, ma cantine, je suis un examen, où je suis un examen, comme oui, il est pharmacien, maintenant. Non. Parce que quand même, à 5 ans, 6 ans de votre vie, il faut sortir formé. Et je vais vous dire une chose, c'est que vous allez vous former, ça a tout le diplôme bien. Parce que c'est ce qui est le cas de l'État. Dans les actes que nous faisons, il y a des actes de l'État une fois à 3 ans. Je n'ai pas cessé de me former depuis le jour où j'ai pris mon diplôme à ce jour. Ou même si je ne peux pas être avec vous, ni être avec vous, je ne peux pas être avec vous, parce que ce qui est la fac. Parce que ce qui est la fac, c'est la théorie. Parce que tu devrais faire la pharmacie, c'est ça la vraie école. C'est pour ça que c'est très important les stages. Indépendamment des stages, il y a comme la fac, et qu'on a comme une semaine, je vais vous donner la pharmacie la plus proche. Vous avez besoin de ça pour savoir déjà est-ce que vous avez envie de faire l'officier. Parce que ça, il faut le faire par passion, il faut le faire par vocation.
سي تري ديفيسيل التعامل مع الناس سي تري ديفيسيل شي واحد تحرق له الخبزه ديالو في الصباح باش يبرد فيك جنونه سي تري ديفيسيل شي واحد دابز مع راجلو باش يبرد فيك جنونه دونك il faut savoir que être au comptoir c'est que normalement au bout de 2 ans on se met un diplôme en psychologie parce que vraiment il faut bien gérer ses nerfs et deuxièmement au Maroc le pharmacien il est médecin il est biologiste il est psychologue il est ami il est bureau de change il est tout ce que tu veux on fait tout à la pharmacie elle parce que le pharmacien c'est le seul responsable de santé qui reçoit les malades tous les jours sans rendez-vous qui reçoit le malade tous les jours gentiment on met donc et pour faire ça et pouvoir être avec les gens parce que chaque malade ne s'agit pas de pour acheter un paracétamol mais c'est un cancer c'est un sourire donc ça c'est beaucoup plus important que les attractants en pharmacologie. La deuxième des choses, c'est ne jamais vous lancer sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Attention. Être en train de gonfler le compte d'Yelcom juste pour avoir beaucoup de followers et que par la suite, vous voulez avoir des collaborations, les collaborations qui j'ai oubliées, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de followers que je vais avoir beaucoup de collaborations. Moi, j'ai eu des collaborations avec les plus grands labos, j'avais même pas 5000 personnes qui payaient. C'est la réputation. Qui est bien. Il faut essayer de gagner une bonne réputation, que ce soit au niveau des gens qui vont vous suivre, au niveau des réseaux sociaux, les gens qui ont un conflit à radio, Nines a un conseil, comme Libri, il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Être pharmacien, c'est être aussi empathique. C'est très spatard. C'est miser un patient qui n'a pas d'argent, ça a rappelé à des tel et tel générique. كما عاديش يضرب يدك معاه ميم اذا هو ما عارفش حتى 400 درهم وبالك باللي ما يمكنلوش يشري غتعطي له الدواء غير 90 درهم لان ان با لو بيي سي تحس بحد اخر اي سي دائما عطيو لو كونساي لي توما كيكون تو فاتيك البلاصه تاع بلو اي جي عندكم وزالي افوار دي لابو باسكو شحال منكم سيغمون اي فون كومونسي دون لا فوا دي ريزو سوسيو جو سوي سور كو شحال منكم وزالي ريوسيغ اي وزالي افوار دي لابو كي فون فينيغ فو بروبوزي دو لارجون Vous pouvez faire une collaboration avec un labo parent, mais ne vendez jamais votre nom, ne vendez jamais votre réputation parce qu'elle n'a pas de prix. On a un pays au rang, c'est irrattrapable à vie. Donc, un produit, mais je veux que je vous dise, par contre, si je vous dis un mauvais produit et tu dis non, un objet, il vaut plus que ça, et ce produit, un an, mais je vous dis, là, vous allez avoir le respect de ce labo déjà avec le solulaire. والهضره كتمشي المغرب راه سبينيه راه صغيره راه فينالمون لي عنده اون بون ريبوتاسيون راه كتوصل بارتو ولي عنده اون موفيس كتوصل انكور بلو رابيدمون alors notre valeur principale c'est bien évidemment l'écoute et le conseil quand vous allez être dans votre officine de pharmacie l'idée n'est pas de vendre au maximum parce que ni SBO au maximum vous allez avoir une satisfaction momentanée mais ni SBO un sourire gratuitement, un conseil gratuitement, c'est-à-dire que vous êtes en train de gagner cette personne. Vous allez dire ce qu'on le veut dire. Un adam qui joue un dîner, les darbe, les pharmacies, c'est que l'autre bout de temps, j'ai acheté un dîner, puis j'ai acheté un dîner, ma chère, dans les princes. C'est énorme parce que ça veut dire que j'ai lié un, parce que par cet amour d'hier, il y a des livres qu'on m'a dit, mais ils sont pareils, il n'y a aucune différence. Mais il est venu pour comment il est traité, il est venu pour une question de confiance. J'ai une ordonnance qui pour le non, mais je veux quand même ton avis. Ça, c'est une confiance. Et la confiance, elle se gagne avec beaucoup de temps. Et elle peut se perdre en quelques secondes. Donc, essayez de gagner ce que vous allez être au fil des années. Alors, les réseaux sociaux sont importants à l'HDNA. Maintenant, on ne parle plus du futur, c'est le présent. Je suppose que, quand vous avez des comptes, que ce soit Facebook, Instagram, quoi que ce soit. Ou est-ce qu'il y a un chargeur, par exemple, un affichage mon diplôme, elle n'existait pas. Donc, c'est une chance énorme pour vous faire connaître, pour pouvoir communiquer avec les gens, pour pouvoir faire un peu de justice. Il y a toujours un conseil qui est mauvais et que vous pouvez dire aux gens, attention, le conseil est rapide, ou avec la personne n'est pas pharmacienne, faites attention. Par contre, je ne donne jamais le nom de la personne. Je ne donne jamais la photo de la personne. Parce que, oh, mes chefs, on donne le conseil, mais vous n'attaquez personne. Parce que vous n'êtes pas là pour attaquer. Vous êtes là pour s'affirmer. C'est différent. Alors, de quoi je peux parler? Par exemple, j'ai choisi un exemple, mais il y en a 90 000 exemples.
par exemple les interactions des médicaments. On a l'idée qu'un médicament, il peut avoir une interaction avec un autre médicament. Pourtant, il y a des interactions des médicaments avec les aliments. Une personne, les katakhoudli, je ne sais pas moi, la torvastatine pour le cholestérol, ou chorbotli, un jus de pamplemousse, l'effet d'elle, les antilipidiques kamlin, il est multiplié par 20. Menin adin atel shihat, par exemple, un complément alimentaire, ou la adin atel mazalal milpertuis, parce qu'il est angoissé, ou adin si da katakhoud la pilule, je baisse l'effet d'elle la pilule. Et quelqu'un qui a un hypertenseur ou a le même jus de pamplemousse, il y a la tension. Donc imaginez, elle peut agir sur l'effet d'un médicament, imaginez un médicament avec un médicament. Donc ce genre d'interaction, je dois nadar aléon, et vous pouvez nadar aléon, sans citer jamais le nom du médicament. On parle du principe actif. Alors, par exemple, les personnes qui sont sous anticoagulants, genre acénocumarol, principe actif, quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est comme médicament? Le nom commercial. Très bien. Alors, c'est des antivitamines. Alors, quand vous allez parler à quelqu'un sur les réseaux sociaux, est-ce que vous allez retrouver une vidéo assez non plus marrante, voilà la réaction que vous allez avoir. Assez non quoi. Parce que c'est compliqué, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, la première des choses qu'il faut faire, c'est former votre communauté. Vu que vous n'allez pas pouvoir dire précisément cet endroit, comme ça, tout le monde le conseille, parce que c'est précisément un des anticoagulants les plus délicats, parce que les épinards, la qiyas, la coagulation, donc c'est important de conseiller les gens. Mais pour cela, je dois avoir une communauté que je vais former. Et les gens, actuellement, ont envie d'apprendre. Donc, j'explique aux gens, c'est quoi qu'un principe actif? Où est-ce que je peux le trouver dans la boîte d'un médicament? Et ça, ça va servir pour former les gens indirectement sur les génériques. Une fois qu'ils vont comprendre que ce médicament et ce médicament, c'est la même chose, c'est juste la boîte qui change, elle est comme la pharmacie, elle est comme la pharmacie, elle est comme la pharmacie. Aïcha, il y a Aïcha. Aïcha, elle est comme la pharmacie, elle est comme la pharmacie. Donc ce message-là, il faut l'expliquer en tant que pharmacien. Vous allez avoir des gens qui vont se connecter pour apprendre avec vous. Et parler de ça par la suite des interactions, chose que vous allez pouvoir faire parce que la personne va comprendre ce que c'est qu'un principe actif. Vous n'êtes pas en train de les former de la même façon que vous en pharmacologie parce qu'ils n'ont pas besoin d'autant. Mais au moins un minimum, ils sont capables de reconnaître le médicament. Des choses importantes à retenir. Quand on va être au niveau des réseaux sociaux, le langage doit être simple. Ni une vidéo et la femme de ménage sont différents. On n'est pas pharmacien pour une classe déterminée. On est des pharmaciens pour tout le monde. On conseille tout le monde. On n'est pas classiste. Mais qu'est-ce dont moi je vais parler et je vais utiliser parce que le mot biodisponibilité, je m'en fous, mais biodisponibilité, c'est les profs diront que je dois en dire. À part ça, les gens ils s'en foutent. Qui est mon les doigts qui fait que je me chiffre. Et c'est ce langage-là qu'il faut utiliser. Qui va chatter avec une personne qui n'est pas diplômée comme vous. Ou les aïkdal, ça là le message. La deuxième des choses, quand je regarde de façon accueillante, que ce soit au niveau du comptoir ou que ce soit au niveau des réseaux sociaux. Vous êtes là parce que vous voulez. Donc la première des choses à donner, c'est un regard et un sourire accueillant. Tu le mets en confiance. La deuxième des choses, il n'y a pas pire que se mettre à réciter. Imaginez-vous que quand on agit maintenant, au glissement, on a un ordinateur, au bout de 5 minutes, vous allez perdre le fil. Parce que tout simplement, vous allez trouver sur Google. Par contre, non. Quand vous êtes en train d'avoir un contact visuel avec la personne, quand vous êtes en train de parler d'une façon spontanée, la personne sait que c'est vraiment un partage. Et offrez toujours aux autres. L'ikani ajoukoum et ateoukoum si vous étiez à leur place. Alors, les erreurs à ne jamais commettre au niveau des réseaux sociaux. Aoulhaj, ne jamais conseiller un médicament. Même si vous êtes sûr que c'est l'indication, ne jamais le faire parce que je vois souvent deux erreurs au niveau des réseaux sociaux. Des étudiants de pharmacie, la première des choses, les gamins ont dit au docteur, il faut savoir que ça c'est très grave. Parce que tant que tu n'as pas ton diplôme, tu ne peux pas dire que tu es docteur.
C'est très important. La deuxième. Kayen bzef, ça va? Kayen bzef, qui mettent la photo d'un médicament et ils le conseillent. Oui, bon, ce n'est que le méprazole. Vous n'avez pas le droit, et je dis bien le droit, de conseiller un médicament sur les réseaux sociaux. La deuxième des choses, ne critiquez jamais une marque. Si jamais vous commencez à faire des collaborations, et que par exemple, une marque, il y a quelqu'un qui va t'écrire à chaque fois, si vous voulez, juste parce que j'ai parlé à un produit que j'ai mis en parle. Et on me parle d'une autre dame qui ne me plaît pas, qu'elle est message. Ne dites jamais non, elle est mauvaise. Je ne la connais pas, je ne l'utilise pas, je ne peux pas te dire. Je n'ai pas l'habitude de l'utiliser. Que ça soit flemmard, que ça soit au niveau d'un confrère, une vidéo, vous le contactez en privé et vous lui dites que vous ne faites rien. Mais critiquer quelqu'un d'autre, ne jamais diagnostiquer des maladies. Parce que vous allez tomber sur des personnes, il y a un traitement, deuxièmement, si une personne fait une allergie, fait n'importe quel problème avec le traitement des atteintes, vous êtes responsable de ça. Ne jamais parler d'un sujet que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas elle. Il vaut mieux dire ça qu'être en train de dire du n'importe quoi. Donc, on me promet ce qu'on a des conseils sur un sujet tant vous n'êtes pas sûr à 100%. Et ne jamais répondre pour répondre. Alors, parfois, je vois, et c'est des confrères, et qui je vous juste corriger vous parce qu'il n'y a pas de je vais montrer que je suis incompétent. Qu'est-ce que beaucoup plus incompétent mais qu'est-ce une réponse qui est fausse ou qui n'est pas vraiment réelle. Donc, ne jamais répondre juste parce que je ne sais pas. On est des humains. Un autre femme a commencé. Il y a 90 000 questions que vous allez me poser. Vous les sûrement maintenant, enfin, je ne peux pas tout savoir et vous n'allez jamais tout savoir. Alors. Une fois que vous allez commencer, que ce soit votre vie professionnelle ou que ce soit les réseaux sociaux, vous allez rencontrer des moments où il n'y aura pas d'inspiration. Vous allez vous dire, j'ai envie de faire, mais aucune idée de par où commencer. Ça arrive à tout le monde. Ça passe n'importe quel écrivain, il va vous parler du syndrome de la feuille blanche. Parce que tu ne sais pas quoi faire. C'est normal. Peut-être c'est avare. Il y aura des moments où vous n'allez tout simplement pas avoir envie de publier. C'est la raison pour laquelle c'est très important. Si jamais vous comptez vous lancer sur les réseaux sociaux, préparez une banque de vidéos. Si moi j'ai besoin de 5 vidéos la semaine, je prépare 15. Pourquoi? Parce que comme ça, le moment où je sentirai que je n'ai pas envie, que je n'ai pas les forces, que je suis malade, que je suis en déplacement, je vais pouvoir programmer ma publication et je vais être toujours présent au niveau de ma communauté. Alors, il faut savoir qu'il ne faut jamais s'obséder par les followers. Vous êtes devant un robot. Il n'y a pas une logique. Il y a des moments où vous allez faire une super publication qui ne va pas avoir de retour. Et d'autres, c'est une publication livrée, moi, elle est en 5 minutes et c'est ce qui va cartonner. Vous ne pouvez pas comprendre un robot. Il y a une logique limitée, oui, mais faites les choses par passion. Le reste suit tout seul. Vous allez avoir des critiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, bien évidemment, c'est légitime, mais je mange les katsamlo. Mais il y aura d'autres personnes qui disent, je mange les katsamlo, mais ils vont vous critiquer parce que ma kadin chez nous d'acheter les katsamlo. Je vous ai mis le petit singe pour quelque chose. Libre chez Hajjakoul. Tant que vous êtes en accord avec votre conscience, tant que vous savez que ce que vous faites il n'est pas illégal, tant que vous savez que vous êtes correct, vous devez être fidèle à vous-même. Vous devez être fidèle à vos valeurs. Vous devez être fidèle à vos principes. Si ça est clean et si ça est à sa place, n'importe quelle personne qui va vous critiquer, qu'elle se mange. Il faut savoir que quand une personne va vous dire vous êtes incapable de faire ça, attirez-vous pas parce que de toute façon, elle te parle de ses propres limites. Parce qu'en fin de compte, cette semaine, j'ai les limites. C'est un jour où vous allez faire des choses et vous allez vous dire on ne connaît pas jusqu'à quel point on est capable de faire les choses jusqu'à ce qu'on est obligé de les faire. Donc, quelque chose est impossible pour lui. Ne vous laissez pas influencer. Parce que c'est le genre de choses que vous allez retrouver des examens. Parce que c'est le genre de choses qu'on va vous dire mais est-ce qu'on nous a des matières. Partez toujours dans la vie avec un principe qui va vous servir non seulement dans vos études. Dites-vous toujours que le non, vous l'avez.
سقط مليح في الطب ما تمشيش راك ساقط مي لو وي tu peux l'avoir mais le oui ما يجيش عندك انت ديال الصدار لو وي خصك تحرك عليه واذا دابا ما جابش الله اجي مي au moins j'ai essayé c'est pire de regretter ce qu'on n'a pas fait que de regretter ce qu'on a fait. Alors je vais partager avec vous un petit peu mon univers à moi. Ce que j'ai fait pour travailler à l'aise, c'est ce que vous devez faire. Créer votre monde, créer là où vous avez envie de travailler. Moi j'ai choisi des couleurs. Le jour où j'ai voulu ouvrir, on m'a dit que c'était impossible qu'une pharmacie marche en étant en bleu au lieu du vert. Elle dit le fuchsia, elle dit la plaque ferrale, vous avez vu le jaune, l'orange. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'une ambiance gay. Je passe toute ma journée là. J'ai besoin d'être dans un environnement qui me fait plaisir. C'est ce que vous devez faire. Parce que vous devez aller faire ça tous les jours. Ça, ce n'est pas c'est toute la vie. Donc, réfléchissez bien à ce que vous avez envie de faire pour le faire correctement. Alors, ça, c'est quelques résumés des vues que j'ai, les vidéos Limit. Et moi, j'ai commencé la télé et la radio en 2016. Ça fait 7 ans que je fais la télé. Et le jour où j'ai voulu faire les réseaux sociaux, là, je sais pas si c'est vrai, parce que c'est autre chose, c'est un autre concept. Pourtant, mes vidéos, ils sont à 400 000, 700 000, 60 000, 400 000, 500. Et une vidéo sur l'espace, elle a fait 1,6 million. Sur un projet de vidéo que j'ai fait, de 6 vidéos contre l'espace, les 6 vidéos ont fait 8 millions de vues. Pour une population de 40 millions, c'est quand même pas mal. Quelqu'un se perd, donc les calories flouent, que non, tu ne pourras pas. Car on a quelque chose à faire quand ça va chercher à te placer qui est derrière. Alors, mes conseils pour vous. La première des choses, c'est de miser toujours pour une bonne ambiance au travail. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu partager avec vous ma pharmacie. Non pas pour vous dire, ah, regardez comment elle est, c'est pour vous dire que je l'ai décorée à ma façon, pour que elle, je me retrouve bien une fois que je suis là-bas. La deuxième des choses, savoir que la science évolue tous les jours. Vous n'allez pas arrêter votre formation au niveau de votre diplôme. À ce jour, le diplôme de donc la formation, c'est tous les jours. Apprenez à dire je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est un droit. Et c'est quand vous dites ça veut dire que je veux t'aider, mais je ne veux pas te donner le mauvais conseil. Je vais me renseigner pour te donner le bon. Soyez toujours vous-même. On est dans un monde qui est extrêmement fake. Tout le monde cherche à avoir une vie Instagrammable. Parce que je m'en fous qu'on ait une chaîne via l'Aftar, mais les gens se sont mis sur le profil d'y aller, être convaincus que je vis très bien. Donc, finalement, les gens qui ont en fin de compte, pour ce qui est important et essentiel dans la vie, ils cherchent des personnes réelles. Donc vous devez être la même personne. Ce qui m'a aidé, c'est que les personnes qui ont appris, je suis la même personne aujourd'hui, mais comme maintenant, que Agnès, comme le resto, que la pharmacie, que Eyblas. Donc soyez fidèles à vous-même. Apprenez à être content pour les réussites des autres. C'est difficile. Là, j'ai un être humain en général, et surtout chez Diana, elle est chez Dakoussal ou Panelva. Vous n'allez jamais réussir si vous réfléchissez comme ça. Je vais utiliser la réussite d'Arthur pour m'inspirer. Je vais utiliser d'autres personnes pour me dire mais on laisse Nietzsche de côté. La fin ne justifie pas les moyens. C'est pas non. Vous devez arriver les buts d'Yelkoum, être fier de votre chemin, de ce que vous avez fait et de comment vous êtes là aujourd'hui. Inspirez-vous de bonnes personnes. Dans la société, on a une personne qui a fait un projet, qui a fait une personne qui a fait un projet, 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 qui a dit non, c'est ma copine, il n'y a pas de projet. Une personne qui veut te tirer vers le bas, tu la zappes de ta vie. De la même façon, il y a des gens qui attaquent un projet, qu'on le veuille ou pas, une personne qui te donne que du négatif, du négatif, du négatif, absolument, cherchez du positif dans tout ce qui va vous arriver. Vous savez, dans la vie, vous allez passer par des moments où, comme tout le monde, on va avoir des clashs.
À votre âge, vous ne pouvez pas encore le comprendre parce que c'est un peu trop bon, oui, c'est ça. Mais avec la vie, avec les expériences, on se rend compte que finalement, tout, mais je vous dis sincèrement, tout ce qui nous arrive, il y a une leçon derrière. Parfois, ce n'est pas évident de la voir. Parfois, ça demande du temps. Mais en me rendant compte, je suis en train de vous lamenter. Là, elle est chère, là. Une chose, c'est ce que tu vois. Et non, c'est ce qui arrive en fait. Deuxièmement, tu peux pas savoir. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon anecdote ce matin. Je devais prendre le TGV à midi. Sur le champ, bien sûr que tu as ça. Parce que bon, ça allait me faire quand même un petit retard. Donc j'ai appelé sur Kéna, je me suis dit, bon, alhamdoulilah, j'ai rien à faire, laisse qu'un sénat. Le moment où j'ai dit, peut-être le billet, j'ai dit, il y a 13 heures, un ami cher que j'ai vu, il y a la femme d'un avocat des pères, en train de pleurer. Elle a le bon livre, très la dire, t'es gévé, flé. Chit anda, et j'ai dit, elle a eu l'air là, elle pleurait, tu vois, elle a fait, elle a eu cette note, j'avais un calme en F5, à tête ou là, prisme un âge, je l'ai calmé, t'as recoupé sur le TGV. Moi, ça ne m'a rien apporté. Mais c'était bénéfique pour elle, Sida. Parce que quand elle a elle devait absolument partir à Rabat. Donc, dans la vie, pas forcément ce qui vous arrive, ce que vous avez fait. Et c'est là que je vous dis d'apprendre à quand même prendre du positif quand vous rendez service à quelqu'un. Parce que est-ce qu'on nous mais elle a n'importe quelle petite chose à travers vous, elle va vous remplir. Voilà. Donc le plus important, c'est que une fois que vous allez choisir ce que vous allez faire, une fois que vous allez choisir la voie que vous allez prendre. Soyez heureux, c'est le plus important. Il y a des moments où assez souvent la une situation des mains. Je vais toujours pas parce que c'est la zone de confort. La zone de confort n'a jamais aidé personne à avancer. Donc les risques, si tu ne les prends pas, tu vas regarder comment les autres avancent. Moi, je suis là, je suis passée par des moments hyper difficiles dans ma vie. Je suis passée par des moments où peut-être quelqu'un d'autre connaît pas tout le monde. J'ai eu beaucoup de difficultés pour beaucoup de choses, mais je n'ai jamais baissé les bras. Je me dis qu'on a le droit de faire. On n'a pas le droit de progresser. Et surtout, il faut être heureux, avoir de la bonne énergie positive, parce que c'est une énergie qui est contagieuse. Et parfois, faire du bien, juste avec un sourire, juste avec une petite blague, juste avec un compliment. Quand tu feras la journée de quelqu'un, fais un jardin. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Je prends le micro pour elle. Il n'y a pas de questions, les amis, non? Bon. Moi, je n'ai pas de questions, mais je vais dire un mot. Oui, absolument. Voilà. Bonjour Yasmina, vraiment, c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Vous écoutez, je me présente rapidement, je m'appelle Dr Hakim Hassan. Je suis interniste et conseiller beauté, santé et anti-vieillissement. J'ai eu le plaisir de vous connaître, Dr Yasmina, il n'y a pas longtemps. Et il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour vous évaluer. Votre valeur, votre profil m'a beaucoup impressionné. Et c'est pour cela, quand vous m'avez dit qu'il y aura une conférence à Casa, je n'ai pas hésité de prendre la route ce matin de Fès, spécialement pour vous écouter et revenir. Ça me fait vraiment plaisir, je suis vraiment touchée. Merci beaucoup, parce que toujours dans la vie, on apprend. Il ne faut pas être prétentieux comme quoi on connaît tout, on sait tout. Et tout ce que vous avez dit tout à l'heure, ça rentre dans le cadre du développement personnel,
C'est très important. Vous avez utilisé des mots vraiment perçants, très importants. Le courage, c'est quoi le courage? C'est d'avoir peur, mais oser. Et de l'affronter. Et oser, parce que c'est ce qui nous laisse dans la zone de confort. On a hérité ça. Il faut quand même commencer à changer petit à petit. Et je vous remercie infiniment. Merci à vous. Alors, il y a un truc que je veux beaucoup dire, c'est que les choses, quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-la. Vous avez peur? Faites-la avec peur. Mais faites-la. Parce que, dès qu'il me pose la question, vous avez toujours beaucoup plus à gagner en essayant que si vous ne faites rien du tout. Et c'est horrible quand vous regardez derrière vous, je suis passée à côté de quelque chose de magnifique, mais je n'ai pas saisi l'occasion. Et la vie, elle ne nous donne pas 90 000 occasions. Il y a des occasions que vous allez avoir une seule fois dans votre vie. Vous êtes jeune, mais vous avez une chance, c'est que il n'y avait pas les réseaux sociaux et il n'y avait pas la possibilité de faire beaucoup de choses que maintenant c'est possible de faire. Donc profitez du fait que vous avez beaucoup plus d'outils pour travailler, beaucoup plus de personnes accessibles, et devenez cette personne. Dites-vous qu'un jour, quand cette petite fille ou ce petit garçon qui est en vous va vous regarder, il sera fier de ce que vous êtes devenu, de ce que vous avez fait et du chemin que vous avez parcouru. J'espère vous revoir très bientôt et je vous souhaite un excellent week-end.